Bonsoir à tous et bienvenue au Palais des Sports pour cette rencontre opposant les JSA BMB au club de Rueil-Malmaison. Une rencontre évidemment importante hein, pour nos JSA qui sont en difficulté clairement au classement avec une nouvelle défaite vendredi à Challans et qui affronte donc ce soir une équipe de Rueil qui à l'inverse occupe justement une des trois premières places hein, tout simplement avec une seule défaite. Et qui sort d'une victoire à Dax vendredi. Donc c'est une deuxième rencontre consécutive à l'extérieur pour les joueurs du RAC. Et c'est une rencontre qui s'annonce difficile hein, pour nos JSA, mais pas impossible. Face à, malgré tout à une formation qui est très en forme, hein, voilà, il faut le dire, hormis une grosse défaite à Toulouse. Rueil n'a perdu aucune rencontre depuis le début du championnat. Donc il faut s'attendre à un match disputé hein, ce soir parce que les JS n'ont plus trop le choix maintenant, hein. il va falloir essayer de renouer avec la victoire et stopper cette spirale de défaite qui a du mal à s'arrêter et retrouver la confiance surtout parce que les joueurs ont besoin aussi de retrouver la confiance et rien de mieux qu'une victoire pour justement retrouver celle-ci. Donc nous sommes à 7 minutes du coup d'envoi, on va attendre un petit peu la composition des équipes qui devrait pas tarder, la présentation en tout cas du moins. Mais on va déjà pouvoir parler un petit peu des effectifs. On va commencer par l'équipe de Rueil, comme ça on pourra vous laisser vivre la présentation en direct tranquillement. Donc pour l'équipe de Rueil, on aura en numéro 1 Siap Locoste, en numéro 3 et capitaine Warren Racine. Voilà, Warren Racine qui est là quand même depuis longtemps, un joueur qui vient d'être élu meilleur joueur de la semaine pour la poule A. Donc ça veut tout dire hein, concernant son niveau actuel, on va dire qu'il a encore monté son niveau hein, tout simplement par rapport aux années précédentes. Un joueur qui est fiable dans tous les domaines, notamment sur le shoot extérieur, mais qui en plus s'éclate aussi au poste de meneur. Donc un des joueurs à surveiller ce soir. En numéro 6, on aura Ismaël Cadio. En numéro 10, Florian Fortas. Ce sont des joueurs dont on évoquera au fur et à mesure de la rencontre, hein, les parcours et les statistiques depuis le début du championnat. En numéro 11, on aura Mathis Selin. En numéro 13, Greg Tondik. En numéro 16, Elias Karzan. En numéro 19, Maodo Ngiran. En numéro 27, Dilat Jandré. En numéro 29, Steven Ricard. On entend dire qu'il y a 10 joueurs vraiment d'un très très bon niveau, d'un niveau quasi équivalent. Donc une rotation importante et des joueurs, on va dire, avec une rotation et des joueurs interchangeables. Donc, attention à cette formation du RAC ce soir, c'est une équipe extrêmement dangereuse. Et voilà, on va vous laisser vivre en direct la présentation des équipes, donc justement en commençant par l'équipe du RAC. Désormais à la présentation des JSA BMB. Thank you.
voilà, vous avez pu assister donc à la présentation des JSA BMB. Donc on vous rappelle un peu les 11 joueurs, hein, 11 joueurs sur la feuille de match ce soir. Donc en numéro 0, on l'a montré à Harris, en numéro 1, Kadi, Razana, Maenina. En numéro 4, Willan et Rabetian. En numéro 7, Antoine Léonard. En numéro 9, Clément Pingot. En numéro 10, Émile Chassaigne. En numéro 13, Christophe Laroutourou. En numéro 14, Henrika Zvorotnikovas. En numéro 15, le capitaine Alex Vialaré. En numéro 20, Clément Desmonts. Et en numéro 33, Joran Amon. Une rencontre qui va débuter dans 3 minutes. Mais on est impatient de voir quand même ce que ça va donner parce que justement, le JSA, c'est quand même un gros défi hein, qui se présente face à eux avec cette équipe de Rueil en face. Et bah, rien de mieux justement que d'accrocher une victoire face à une formation du haut de tableau pour pouvoir retrouver la confiance et le chemin de la victoire. Donc vraiment une partie qui s'annonce très intéressante. Et on va toujours parler des mêmes facteurs. Hein, voilà, limiter les balles perdues, les rebonds, limiter les rebonds offensifs, ne pas prendre de retard au début de la rencontre pour éviter de courir après le score. On est toujours un peu sur les mêmes, sur les mêmes problématiques. Mais voilà, on sent que voilà, il y a eu quelques séquences intéressantes lors des deux derniers matchs. Malheureusement, ça n'a pas été sur la régularité. Donc voilà, retrouver de la régularité et essayer de venir accrocher cette équipe de Rueil, essayer de les mettre en danger et les tenir avant le money time, tout simplement, voilà, au lieu de courir après le score comme on l'a fait lors des dernières rencontres. Donc on va les dernières consignes et puis on va découvrir bientôt les 5 de départ. Un peu de monde hein, ce soir encore au Palais des Sports, ça a mis du temps avant de se remplir mais ça arrive petit à petit hein, mardi soir, en plus il pleut ici à Bordeaux donc c'est forcément un peu plus de circulation et de difficultés pour se rendre au Palais mais les gens qui répondent présents, les supporters et ça fait plaisir, l'équipe qui a besoin de soutien vraiment dans cette période difficile. Allez, 35 secondes avant le coup d'envoi et on va rentrer dans le vif du sujet pour cette rencontre. Hâte d'y être, on va avoir du beau basket ce soir. C'est, les matchs s'enchaînent, c'est pas forcément évident, surtout quand on est dans une spirale négative on va dire, mais c'est aussi une bonne chose, hein, ça évite aussi de tergiverser. Donc voilà, les JSA qui sont déjà sur le parquet hein, voilà, après la rencontre face à Chaland. Pas eu trop de temps pour préparer la rencontre, mais c'est peut-être pas plus mal. Ça a évité de trop cogiter parce que la rencontre à Chaland a été extrêmement difficile. Voilà, donc avec rappel, 20 points d'écart, donc ça a été quand même compliqué. Et c'est clair qu'on attend, plus hein, ce soir, on attend plus sur 40 minutes surtout. Plus sur 40 minutes. Parce qu'il y a des bonnes séquences, mais du mal à pouvoir les reproduire pendant 40 minutes justement. Allez, on est parti, les 5 majeurs côté. Côté Rueil, donc Florian Fortas, Steven Ricard, Maodo Nguiran, Ruan Racine évidemment et Ismaël Kadio. Le dernier venu d'ailleurs, Ismaël Kadio. C'est pour compenser les blessures. Hein. Les blessures, nous avons la blessure de Massé Doumbé. Et après derrière le départ, après seulement quelques rencontres de Bukari Sissoko qui a trouvé justement une équipe en Pro B. Donc il a fallu compenser en fait. D'abord la blessure de Massé Doumbé, puis le départ rapide, on va dire, après quelques rencontres de Bukari Sissoko. Et pour les JSA, il y a quelques changements dans le 5 de départ, on dirait, avec Lamontré Harris, avec Clément Desmonts, avec Henrika Zvorotnikovas, Kadi Razana Maenina et Alex Vialaré. Donc oui, effectivement, ça a bougé dans le 5 de départ des JSA. Clément Pingot sort du 5. Ainsi que Émile Chassaigne. Donc autant dire que le but de ce 5 de départ, c'est de rentrer directement dans la rencontre physiquement déjà. Voilà, avec des joueurs qui à la base étaient censés apporter justement en sortie de banc
sur les dernières rencontres et finalement qui vont être responsabilisés d'entrée de jeu. On pense à Harris, on pense à Desmond. Il va falloir que Clément Desmond arrive à retrouver une adresse à 3 points. C'est qu'il lui fait un peu défaut sur les dernières rencontres. Mais voilà, on sent que voilà, ça va être pour ce soir pour Clément Desmond. Retrouver l'adresse qu'il avait eue notamment face à Sergi. Et la montrée Harris dont on attend beaucoup évidemment. Il est présent au rebond la montrée Harris, on attend certainement un peu plus de scoring de sa part. Ah, alors que la rencontre a pris, va prendre du retard là avec un problème de panier à première vue. Ouais, là pour l'instant on n'est pas. J'ai l'impression qu'avec le panier tout en bas, on n'est pas prêt de commencer la rencontre. Petit souci technique comme on dit. Peut-être que finalement les 5 de départ c'était peut-être pas ça, mais si, il semblerait quand même que c'était bien ça. Remarquez, avec le panier à cette hauteur, c'est un moyen plus facile de marquer des paniers. Hein. Quoique c'est même pas sûr. C'est même pas sûr parce que c'est quand même très 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 bas, comme on dit. Mais justement, je ne vous cache pas, je ne sais pas du tout ce qui se passe avec ce panier. Donc difficile de vous donner plus d'informations pour l'instant. J'en profite pour saluer les supporters du Racquin qui vont être présents sur le live et qui seront présents sur le live. Voilà, bienvenue à vous et puis voilà, bon match à vous aussi. Hein, voilà, avec votre équipe qui réalise un gros début de championnat et qui est en course hein, pour jouer les premières places. Ouais, y a un vrai souci avec le panier. Est-ce que c'est un souci avec le panier? Est-ce que c'est un souci avec l'horloge? Difficile à dire pour l'instant. Ah, c'est embêtant. C'est embêtant, on avait eu l'alarme la dernière fois. Maintenant, aujourd'hui, on a un problème de panier. C'est dommage, c'est le match qui va prendre du retard. Première vue, c'est bien au niveau de l'horloge qui serait ouverte. Donc ils sont en train de s'affairer pour scotcher l'horloge des 24 secondes et le chronomètre. Et puis après la rencontre va pouvoir débuter. Mais ça va pas être de suite à première vue. C'est l'occasion justement de faire un petit point sur le classement et de rappeler que Montgreuil est officiellement occupé la 3ème place, mais Poitiers a un match de plus qu'ils ont remporté hier soir contre La Rochelle. Donc Poitiers se retrouve 2ème avec 6 victoires et 3 défaites. Mais en réalité, Rueil est premier à égalité avec Angers, 7 victoires, une seule défaite. On rappelle cette défaite qui était une lourde défaite à Toulouse. Mais pour le reste, début de championnat tout simplement parfait pour le RAC. Et bon, pour les GSA, malheureusement, c'est à l'inverse. Hein. 14ème, une victoire, 7 défaites. Deux défaites difficiles, une contre Toulouse où bon, malheureusement c'était face à une équipe quand même qui va forcément jouer le haut de tableau, donc une partie qui avait été compliquée sur 40 minutes. Mais on avait quand même vu des choses positives quand même sur cette rencontre. Et puis une défaite elle pour le coup bien plus sévère on va dire à Chaland. Alors Chaland, on va dire, au vu du classement qui était on va dire en concurrence pour la partie basse on va dire du classement avec les JSA. Mais la réalité est autre, hein. J'ai les Chaland qui a mal débuté son championnat, mais qui a une équipe qui est ultra compétitive et qui est censée jouer le haut de tableau. Donc c'est plus le contenu de la rencontre qui a été un peu plus inquiétant, avec notamment beaucoup de balles perdues. Et on le sait, voilà, on sait que déjà si on arrive à limiter les balles perdues, ça sera déjà beaucoup plus simple pour aborder la rencontre.
Là, le souci, c'est que voilà, entre les balles perdues et les paniers faciles, on va dire, pour l'équipe adverse, on en a vu plusieurs du côté de Chaland, plus les rebonds offensifs, bah, ça fait déjà deux paramètres très très importants qui posent souci hein, sur les dernières rencontres pour nos Bordelais. Donc aussi, on va aussi faire un petit point aussi sur les rencontres de ce soir. Donc ce soir, nous avons... Hier soir, Poitiers qui a battu La Rochelle 78 à 52. Grosse victoire pour Poitiers qui a l'air de trouver son rythme hein, après une belle victoire à Toulouse. Nous avons Lorient justement contre Toulouse, une rencontre qui s'annonce quand même très intéressante entre deux équipes de haut de tableau. Angers qui, après avoir perdu contre La Rochelle, reçoit Rennes. Donc Angers hein, qui est en tête du classement. Les Sables qui reçoivent Tarbes. Cergy qui reçoit Dax et Vitré qui accueille Chaland. Donc plusieurs rencontres intéressantes à suivre. On essaiera de vous donner aussi petit à petit l'évolution des résultats. Et le match qui va pouvoir commencer. Donc je vous rappelle le 5 de départ pour les JSA. Henricas, Kadi, Clément Desmond, La Montré et Alex Vialaré. Et côté Rueil, Florian Fortas, Steven Ricard, Ismaël Cadio. Maodo Nguiran, l'immense Maodo Nguiran, 2m10. Et évidemment, le capitaine, le shooter, l'homme à tout faire, Warren Racine. Alors qu'on a un nouvel invité avant le coup d'envoi. Coco qui se fait plaisir. Alors que le coup d'envoi va être donné. Entre La Montré Harris et Maodo Nguiran. Bon match à tous. Allez, entre deux gagnés par nos JSA BMB. Première balle pour Kadi. Avec La Montré Harris, Kadi, Clément Desmond qui tente de sortir de l'écran. Un premier tir pour Clément Desmond, 3 points. Bang, 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 Clément Desmond. On l'avait dit, il faut que trop toute confiance se sentir, ça commence très bien. Voilà, c'est raté pour Florian Fortas, rebond de Clément Desmond. Contre-attaque lancée par Clément Desmond. Alex Vialaré à 3 points, deuxième. C'est raté. Et le rebond pour La Montré Harris. Non, le rebond sera quand même conservé par les JSA BMB. Allez, Henricas avec Kadi, Razanana et Nina. Clément Desmond sorti d'écran. Il est passé Clément Desmond, faute sur Clément Desmond. Ouh, on a frôlé le N1. Ouh, Clément Desmond qui est déterminé à. Voilà, qui est agressif au cercle, à droit sur son premier tir. Voilà, c'est vraiment l'idéal, commencer une rencontre de cette façon-là. Et deux lancers à venir pour Clément Desmond. Et une première faute pour Florian Fortas. Premier lancé de Clément Desmond. Premier lancé raté par Clément Desmond. Et deuxième. Ah! Un rebond quand même pour les JSA qui s'en sortent bien. Alors que Clément a raté ses deux lancers francs, c'est dommage. Pour un joueur à droite, c'est vraiment dommage. C'est des points qu'il ne faut pas laisser en route. Hein. On a trop de maladresse au lancer franc aussi sur les dernières rencontres. Décidément, encore un problème. La table de marque cette fois-ci. On l'a pas dit, hein, l'équipe de Rueil qui est entraînée par Maxence Broyer, assisté de Aril Perrault, hein, le fidèle Aril Perrault, toujours présent, assistant de l'équipe de Rueil, qui était aussi assistant de Julien Hervy à une certaine époque. Donc qui est toujours présent. Et côté JSA, Mathieu Hubert avec le soutien de Arthur Boisson et de Valentin Pouplein. Et le match qui est déjà arrêté. Voilà, pour un problème à la table de marque.
Compliqué ce début de rencontre là, pas mal de petits soucis. Alors que notre DJ Mazal a annoncé la présence du rappeur Joker dans les tribunes, qui était présent aussi à la Hoops Factory pour une séance de dédicace cet après-midi. Ah, des invités prestigieux hein, à tous les matchs des JSA, ça fait plaisir. Ah, on a un sentiment qu'il manque que les victoires pour que tout se passe bien en fait, tout simplement. Parce que voilà, on a du monde, on a des belles animations, on a plein de choses ont été mises en place très bien cette année, mais voilà, il faut que maintenant voilà, on a besoin de victoire et une victoire ce soir relancerait tout et ferait tellement de bien à tout le monde. Voilà, dans cette situation un peu compliquée avec le départ de Joachim, les défaites qui s'enchaînent, mais voilà, il faut être positif. Le début de rencontre, sans dire, il n'y en a joué que 45 secondes, mais les 45 premières secondes montrent déjà un bel état d'esprit du côté de nos Bordelais. Alors là, par contre, inutile de vous dire, je ne sais pas du tout ce qui se passe. J'ai un problème au niveau de la table. Donc les joueurs sont à nouveau à l'échauffement. Décidément, c'est compliqué ce début de rencontre. Ah, on aimerait bien quand même assister un peu à du basket ce soir quand même, ça serait pas mal. Essayer de se renseigner un petit peu sur ce qui se passe parce que c'est assez préoccupant mine de rien. De se renseigner. On va essayer de se renseigner parce que ça n'a pas l'air de vouloir reprendre de suite, loin de là même. Je vais revenir. Je vais essayer de me renseigner et vous donner des informations sur ce qui se passe exactement.
première vue, le problème est résolu et les joueurs sont de retour sur le parquet. Alors j'avoue, je ne vais pas trop savoir ce qui s'est passé. J'essaierai de me renseigner à la mi-temps pour vous donner l'information. Une rencontre qui a du mal à débuter. Hein. Il est déjà 20h47 et on a joué 45 secondes. Pour les joueurs, c'est pas évident. Hein. Pour les gens, c'est pas évident. Oui, un problème de table de marque. Hein. Je vois les commentaires. Problème de table de marque. Voilà, après, pour vous dire exactement, je suis un peu loin personnellement de la table pour pouvoir vous. Et en hauteur, donc on va trop vous dire exactement de quoi il s'agissait. Donc. Voilà, je vais essayer de me renseigner à la mi-temps. Allez, la rencontre, le plus important c'est maintenant la rencontre qui va repartir avec une remise en jeu pour Clément Desmond en ligne de fond. Avec Kadi qui va s'appuyer sur Edricas. Clément Desmond à 3 points, le deuxième. Et oui, Clément Desmond, bang bang bang. Et 2-2 pour Clément Desmond. Ah. Ouh, une faute de Kadi là justement sur la remise en jeu sur Warren Racine. Allez, Warren Racine justement. Warren qui remonte le terrain. Beau duel à venir avec Kadi. Et c'est réellement la première attaque hein, quasiment pour Ruey dans cette rencontre. Ismaël Kadio avec Warren Racine. Il s'appuie sur l'écran d'Engiran. Kadio, Engiran. Engiran qui va essayer de jouer face à Henrikas Vorotnikovas. Et faute. Faute avec les mains et les bras de Henrikas. Ça siffle vite les fautes là déjà. On avait dit problème de. Attention aux fautes aussi, de ne pas tomber très vite dans la pénalité. On ne peut pas se permettre d'avoir trop de fautes rapides. C'est déjà la deuxième. Allez, Ismaël Kadio avec Warren Racine. Warren face à Kadi. Sortie d'écran. Ah ben cette fois-ci c'est faute offensive sifflée à Ismaël Kadio sur l'écran. Ça siffle vite et sévère là, en début de rencontre. J'ai 4 fois de sifflé, 2 pour les JSA, 2 pour le RAC. Décidément, le jeu qui commence déjà à être un peu haché avec ses potes. Allez, Kadi, face à Warren. Clément Desmond. Allez, Galaré. Ça tente de faire tourner la balle avec Jalaré qui est passé. Ici Henrikas dessous. Henrikas qui se fait de la place et qui marque. Super début de rencontre de nos JSA BMB, 8-0. Magnifiquement servi par Jalaré. Henrikas toujours aussi précieux avec son positionnement dans la raquette. Et 8-0 pour les JSA BMB. Voilà, début de rencontre idéal, c'est ce qu'on attendait. Allez, Maudon Giran face à Henrikas. Henrikas, pas de faute, pas la deuxième. Je ne peux pas prendre la deuxième. Fortas à 3 points. C'est raté. Rebond Clément Desmond qui lance la contre-attaque. Face à Steven Ricard, qui s'appuie sur l'écran d'Henrikas, qui part descendre, pick and roll. Non, Kadi qui transfère pour Alexis Allaré. Ah, la balle perdue. Problème sur le contrôle de balle d'Alex. Et JSA qui débute bien cette partie, 8-0. C'est vraiment très très bien. Et Warren Racine avec Steven Ricard. Attention à Steven Ricard, un joueur extrêmement fort comme on dit. Ouais, Maudon Giran qui vient de jouer face à Henrikas qui est passé. Oh, bien joué de la part de Maudon Giran. Très très bien joué. Sénégalais de 27 ans, hein, Maudon Giran qui a fait une grosse partie de sa carrière en Espagne. Il a aussi évolué du côté de Saint-Vallier, de Nantes et en Suisse. Un joueur de 2m10 avec une certaine mobilité, un joueur vraiment intéressant. Qui est passé. Oh! Le départ de Kadi, énorme, énorme Kadi qui a enrhumé Ismaël Kadio. 10 pour le JSA, 2 pour le RAC. Florian Fortas. Allez, on insiste beaucoup sur Maudo Nguiran. On a l'impression que le but c'est aussi de sortir Henrikas du match. Le fadeaway de Maudo Nguiran s'est raté, rebond avec Zalaré. Contre-attaque lancée par Alex. Ah, oh, Clément Desmond qui était peut-être qui pouvait presque être seul pour prendre le tir. Et Kadi qui passe. Alex à 3 points, non. Alex qui feinte à 3 points, qui ressort. Clément Desmond, non. Clément Desmond mi-distance, c'est raté. Rebond Henrikas. Oh, énorme Henrikas, le rebond offensif.
Quel début de rencontre de Nogers, ABMB, 12-2. Allez, Warren Racine. Avec Florian Fortas qui s'appuie sur l'écran de Nguiran. Nguiran encore. Et décidément, qui joue. Ça travaille pour Maudou Nguiran. Oula, complètement raté. Et rebond pour Alexis Allaré. Oh, Alexis est passé. Qui fait tomber Steven Ricard. Clément Desmond à 3 points. Le troisième bang. Le troisième de Clément Desmond. Bang, bang, bang. 15-2 pour les JSA PMB. Énorme. Quelle action. Quelle action d'Alexis Allaré, Clément Desmond. Temps mort pris par Rueil, 15 pour le JSA BMB, 2 pour le RAC. Énorme début de rencontre de nos JSA. C'est ça qu'on veut voir les gars, vous en êtes capables, on le sait. C'est une question de confiance maintenant. Le RAC qui a pris un coup sur la tête. Je pense pas que l'équipe de Rueil s'attendait à ça. Voilà, donc pas de changement pour l'instant, mais waouh, quel début de rencontre. Et donc 9 points, 3 sur 3, 3 points pour Clément Desmond. Impressionnant. Allez, c'est reparti avec Warren Racine. Steven Ricard à 3 points, c'est raté. Rebond Maudou Nguiran, Warren Racine qui aurait pu prendre le tir, mais finalement qui met en place. Belle passe pour Maudou Nguiran qui est passé aussi. Oh, énorme, bien joué ça. Tous les ballons qui passent par Maudou Nguiran en début de rencontre, vraiment tous les ballons qui passent par lui. On le sert, on n'hésite pas à l'abreuver de munitions. Avec plus ou moins de réussite, mais pour l'instant c'est lui qui a marqué les seuls points du RAC. Alex qui est passé, énorme Alex. Quel début de rencontre à la passe d'Alexis Allaré, distribution du jeu. Super service pour Henrik Asporat-Nikovas, 17-4 pour le JSA BMB. Warren Racine. Ah, qui va jouer face à Henrik Asporat, c'est mismatch. Il est passé bien sûr. Il ressort pour Steven Ricard, 3 points tout seul. C'est raté, rebond Clément Desmond. Qui sert la montrée à risque, il n'y a pas de trop de munitions pour l'instant. C'est raté pour la montrée à risque, rebond Florian Fortas. Allez, le jeu qui s'anime. Bien joué, Warren Racine. Ouh, Ismaël Kadio qui s'impose face à Alexis Allaré. Bien joué. Magnifique action d'Ismaël Kadio. Bien servi par Warren Racine. Non, par Florian Fortas, pardon. Clément Desmond. Clément Desmond qui va chercher évidemment une position de tir éventuellement. Il a la position de tir, Clément Desmond, le quatrième. Ah, c'est raté. Fin de série pour Clément Desmond et rebond pour Warren Racine. Maudou Nguiran, bien service. Ouh, le dunk. Ouh, le dunk, Ismaël Kadio. Le dunk sauvage. Bien servi par Maudou Nguiran. Ouh, que de spectacle dans ce début de rencontre. Énorme. Que d'action spectaculaire. Et Clément Desmond. Avec Kadi. Kadi qui est passé. Kadi, petit fadeaway en tête de raquette, c'est raté. Rebond Steven Ricard. Attention les JSA. Attention parce que Rueil qui commence à revenir au score. Florian Fortas à 3 points. Et il met dedans Florian Fortas. Et retour du Rueil au score. Bien servi par Steven Ricard. Et évidemment, temps mort pris par les JSA BMB. 17 pour les JSA, 11 pour Rueil. Ouh, que ça joue bien ce début de rencontre. Deux gros coups de chaud, un côté RAC, un côté JSA. Et super début de rencontre, vraiment, avec des tirs à 3 points, des dunks, des super passes. En espérant que ça continue. Pour l'instant, c'est un grand spectacle sur les 7 premières minutes.
Allez, on passe du jeu avec Alex Vialaré, Kadi, alors que Christophe Laroux tout droit, remplacé de Lucas Morat Nicolas. Kadi qui est passé, qui est transféré pour Clément Desmond. Clément Desmond qui ressort par Alex Vialaré à 3 points, c'est tout seul. Ah, c'est raté. Et rebond pour Steven Ricard. Warren Racine. Fortas. Warren. On va contacter encore essayer de ça. Ah, oula. Oh, bien joué. La montre à risque sur la ligne de passe. Mauvaise d'ailleurs, mauvaise passe de Warren Racine. La montre à risque qui était bien présent et vigilant sur cette passe. Avec Zalari qui sera peut-être perdu par Zalari. Contre-attaque menée par Warren Racine. Ismaël Kadio qui va claquer ça. Aïe aïe aïe. Ismaël Kadio qui casse le cercle, tout simplement. Il y a du dunker côté Rueil. Encore, on n'a pas encore vu Siap Locost qui est sur le banc qui va rentrer. Enfin que là on a ce qu'il faut en termes de dunk et de joueurs athlétiques et spectaculaires. Allez, changement. Fortas qui sort. Entrée de Tondik. Sortie aussi de Kadio et l'entrée de Kerzan. Côté JSA, c'est la montre à risque qui sort et Clément Pingo qui rentre. Allez, Enrica, pardon, Kadi. Face à Elias Karzan. Clément Desmond, belle passe pour Christophe Larotourou, mi-distance. Ah, c'est raté par Christophe Larotourou et rebond pour Warren Racine. Warren Racine qui est passé, ah, et qui perd le ballon. Warren Racine, on voit beaucoup la distribution, mais pas trop au scoring pour l'instant. Allez, Alex Zellaré. Alex Zellaré qui remonte le ballon, qui joue dans ce poste de meneur. Clément Desmond, le quatrième à 3 points cette fois-ci. Bang! Clément Desmond! Bang, bang, bang! Quatrième tir à 3 points du carton pour Clément Desmond, il est chaud bouillant! Ah, belle le score, 20 pour les JSA BMP, 13 pour le RAC. 4 tirs à 3 points pour Clément Desmond dans ce carton. Ah, bah on en parlait de l'adresse de Clément, mais on sentait que ça allait revenir aujourd'hui, je sais pas pourquoi. J'avais annoncé un peu avant le début de la rencontre. Ça, il fait du bien de débuter la rencontre, hein, je pense tout simplement aussi. En tout cas, c'était le bon choix de faire débuter Clément Desmond. Alors qu'il y a un nouveau souci, décidément. Je sais pas si on va... Voilà. À mon avis, on va finir cette rencontre à minuit. Hein. Qui repart, hein. Je sais pas ce qui s'est passé encore. Allez, Escarzan. Avec Tondik, avec Modon Giran. Et marché sur le premier dribble de Modon Giran. Allez, Alex qui remonte le ballon, qui permet justement à Kadi de jouer plus sur un poste d'arrière. Mais c'est bien d'alterner sur la remontée de balle. Ah, la balle perdue par Alex, interceptée par Greg Tondik. Warren Racine. Qui tente de mettre en place. Non, finalement, qui veut jouer face à Christophe Larotourou. Il est passé, Warren Racine. Ouh, c'était bien joué, mais c'est raté sur la finition. Ah, et qui récupère son rebond. Il est partout, Warren Racine, au rebond. Quelle vivacité, ces jeux joueurs. Hein. Belle passe pour Maudon Giran. Facile, tranquille, Maudon Giran. 6 points pour lui. Christophe Larotourou ou Clément Desmond. Ah, Clément Desmond, il a envie de prendre des tirs, mais on peut le comprendre. Kadi, il va prendre le tir à 3 points, Kadi. Et il le met! Bang, bang, bang! Quelle adresse des GSA BMB dans ce carton! 23-15. Oh, quelle passe de Warren Racine! Encore pour Maudouen Giran. Oh là 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 là, la connexion qui marche super bien entre les deux joueurs.
Allez, Kiadi qui va s'appuyer sur l'écran de Christophe Laroutou. Il est passé. Ouh. Ah, balle perdue par Kiadi. On commence à perdre un peu trop de ballon côté bordelais. Steven Ricard. Warren Racine encore. Alors deux changements à venir côté du côté du rack avec les entrées de Siap Le Goth et de Dylan Gendré. Warren Racine à 3 points. Mais quel contre de Clément Desmond. Et balle perdue par Warren Racine derrière. Et mais Clément Desmond, il est bouillant dans ce premier carton. Bouillant en défense, en attaque. Énorme Clément Desmond. Alors que Maudou Nguyen et Steven Ricard sortent. Et entrée donc de Dylan Gendré et Siap Le Goth. Deux joueurs complètement dynamite dans les jambes. On a pu le voir à l'échauffement et on le savait. Il y a quand même un goal dans le dernier tir. Et c'est la fin du premier carton. 23 pour les GSA VMB, 17 pour Rueil. Quelle adresse pour les GSA. Ça s'est un peu calmé sur la deuxième partie du premier carton. Mais grosse adresse à 3 points. Les deux derniers là qui font énormément de bien et qui permettent aux Bordelais de conserver 6 points d'avance. Voilà, là c'est bien, on fait la course en tête pour l'instant. C'est ce qu'on voulait voir. Il reste beaucoup de temps encore. Pas s'enflammer. Mais début de rencontre idéal pour nos Bordelais. Un petit point sur les statistiques. Donc Clément Desmond, 12 points, 4 sur 5 à 3 points. 3 rebonds. 12 d'évaluation déjà. Gros premier carton de Clément Desmond avec un contre aussi évidemment. Là, on a Enricas à 6 points, 3 sur 3, parfaitement servi par Alex. Alex Villalari qui a déjà 4 passes décisives. Ah, les balles perdues, on a déjà combien de balles perdues? On a 4 balles perdues, mais un peu sur la fin du carton. Ça, faire attention à ces ballons, ces ballons égarés un peu. Alors on a côté Rueil, on a Warren Racine qui n'a pas marqué, mais par contre qui a déjà 4 passes décisives, 3 rebonds, 3 balles perdues, voilà, qui est un peu présent sur toutes les lignes statistiques. Et puis on a un gros début de rencontre de Maudo Nguyen avec 8 points et 2 rebonds. Voilà, donc belle première période pour l'instant. Les deux équipes qui nous offrent des belles actions et du beau spectacle. Allez, c'est reparti. Et pas de changement à première vue, ni du côté du rack, ni du côté des GSA BMB. Allez, Gendré. Oh, Gendré tout seul, parfaitement servi par Greg Tondik. Et voilà, le dunk de Dylan Gendré, ça commence. C'est dommage là, un oubli défensif, c'est vraiment dommage. Il était tout seul, Dylan Gendré. Go, Clément Desmond pour Alex. Bien joué Alex. Oh le contre. Oh le contre de Greg Tondik. Alex qui s'est retrouvé face à un mur là. Les trois joueurs face à lui et le gros contre de Greg Tondik. Un changement de ballon maintenant. Alex Villalari. Christophe Laroutourou. Qui a dit. Sir Alex. Qui tire sur un pied d'Alex Villalari. Oh quel shoot. Oh quel shoot d'Alex Villalari. Shoot sur un pied énorme à la tire Kovitski. Tondik, oh Gendré tout seul encore. Servi par Tondik encore une fois. Ah, la double connexion là entre Tondik et Gendré qui marche bien et Rué qui revient à 4 points. 25-21. Et Christophe Laroutou qui sort. Retour d'Enricas. Clément Pingo qui sort. Retour de la Montréaris. Rotation. Réduite côté bordelais ce soir. Et qui a dit Clément Desmond le cinquième. Ouh la gamelle, quel dommage. Ça aurait mis le feu là au palais.
Et Lascarzane. Attention, Blokos à 3 points. C'est raté. Rebond Kadi. Kadi qui part en contre-attaque. Kadi qui a failli perdre le ballon. On a montré un risque. Il le récupère. Alex Zalaré. Kadi. Alex. Qui est passé. Qui est en train de servir Rodrigues. La balle est perdue. Ah, Lascarzane avec Jandré. Jandré qui est passé. Qui marque. Et la faute de Clément Desmonts. Ah, la faute. Alors, il semblerait qu'elle glisse. Elle a été sifflée, la faute. Elle a été sifflée. Et grosse rentrée là de Dylan Jandré. Grosse rentrée. Déjà 6 points pour lui. La sortie de Kadi. Et de Clément Desmonts. Et les entrées de Emile Chassaigne et de Willan. Et Rabetian. Et on s'est vraiment réussi par Dylan Jandré. 7 points déjà. 7 points en peu de minutes pour Dylan Jandré. Il a dû jouer 4 minutes pour l'instant. Et Willan et Rabetian face à Elias Karzan. On va frôler le retour en zone. Avec Zialaré. Qui sert bien Enricas. Ouh, ça peut fort là sur la planche là, par Enricas. Et on donne le score. Hein, 25 pour les JSA. Ruek est revenu. Hein. 24 pour le RAC. Mais Ruey qui s'est pas affolé hein, après avoir été mené 17-2 et qui a grappillé petit à petit son retard. Et là, c'est une deuxième rencontre qui débute. Willan et Rabetian. Willan donc face à Grisier Enricas. Enricas marchait, s'il fait Enricas. Balle perdue et une balle pour prendre l'avantage hein, pour le RAC pour la première fois de la rencontre. Et Escarzan. Face à Willan. Allez Willan, il ne faut pas lâcher face à Karzan. Faut défendre dur. Allez, il faut suivre Willan. Allez Willan, voilà. Le shoot de Karzan, c'est raté. Rebond de Harris. Et contre-attaque menée par Alex Vialaré. Alex. Quelle passe d'Alex pour Enricas. Bien joué ça. 27-24. Connexion Alex et Enricas Borotnikovas qui marche super bien. Enricas qui se place toujours très, très 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 bien dans la raquette et qui est extrêmement précieux. Alors qu'il y a une faute sifflée à Emile Chassaigne sur le drive de Warren Racine. Sortie de Warren et rentrée de Florian Fortas. Warren qui n'était pas sorti depuis le début de la rencontre. Côté JSA, c'est Alex Vialaré qui est toujours pas sorti. Bon, Alex qui a l'habitude maintenant de jouer beaucoup de minutes. Et balle perdue par le RAC. Et 27-24 pour les JSA BMB, 7 minutes à jouer dans ce deuxième carton. Willan et Rabetian. Et Emile Chassaigne, elle a montré Harris. Enricas en tête de raquette, qui cherche Alex. Beaucoup de ballons passent par Alex Vialaré comme d'habitude. C'est bien joué de la part d'Alex Vialaré. Énorme Alex Vialaré. Que c'est bien joué de la part du capitaine des JSA BMB. Magnifique. Florian Fortas. Le Coste avec Jandré. Qui va tenter de jouer face à Enricas. Mais il y a un mur là. Tandis à mi-distance, c'est raté. Rebond d'Aris. Aris qui est présent, qui commence à grappiller quelques rebonds. Allez, Willan qui remonte le terrain face à Escarzan qui met une grosse pression. Meneur petit et dynamique, Escarzan. Oh, la passe d'Alex Vialaré. Et la balle perdue par Enricas. La passe derrière le dos d'Alex Vialaré était magnifique. Mais Enricas qui a pas pu saisir du ballon. Quel dommage. Et c'est une nouvelle balle perdue pour les JSA. 29 pour les JSA BMB, 24 pour l'Oracle. Le jeu qui commence un peu à ralentir un peu. On a vu un début de rencontre, comment dirais-je, extrêmement actif. Oh, Karzan. Oh, c'est raté par Karzan et rebond pour Willan. Ah, on avait un début de rencontre à 100 à l'heure, mais là, ça commence à être brouillon, là, maintenant. Ça commence à être brouillon des deux côtés. Des doubles pas ratés,
des balles perdues et une nouvelle faute pour Henricas qui va être remplacé par Christophe Larvotourou. Deuxième faute pour Henricas. Les Plokost avec Karzan. Faute. Faute de Willand sur l'accélération milieu de terrain de l'Escarzan. C'est haché là sur ces dernières minutes. Après une période où c'était vraiment le jeu aller à 100 à l'heure, là ça commence à se durcir, à beaucoup de coups de sifflet aussi. Et Rueil qui revient. Christophe Larvotourou face à Diane Gendré. Allez, Alex Vialaré à 3 points, il va le prendre, il va le mettre. Alex Vialaré, bang, Alex Vialaré from downtown. Gendré, ouh, Dylan Gendré, Intenable depuis son entrée en jeu. 9 points pour Dylan Gendré. Ouh, le contre de Greg Tondik, le deuxième. Ah non, non, faute sifflée à Greg Tondik et deux lancers à venir pour Alex Vialaré. On est 32 pour les JSA, 28 pour le RAC. Alex Vialaré au four du moulin là, à la passe, au scoring. Allez, le premier qui est dedans. Et le deuxième qui est dedans aussi. Allez, on se redonne un peu d'air, 34-28. Florent Fortas. Et l'écran de Dylan Gendré au milieu de terrain sur Émile Chassaigne. Qui permet à Fortas de passer et de marquer. Magnifique action de Florian Fortas. 34-30. Allez, la montre à Harris. Ah, il y a de la place pour la montre à Harris. Christophe Larvotourou, Willan. Christophe, il faut le prendre ce tir. Oh, pas de chance. Mais la montre à Harris au rebond. Il est... Oui, la montre à Harris qui s'impose. C'est ça la montrée. Balle perdue, récupérée par Willan. Contre-attaque menée par Willan avec Alex. La montrée Harris. Ah, qui aurait presque pu prendre le tir à 3 points, mais le retour rapide de Greg Tondik l'en a empêché. Larvotourou, Christophe Larvotourou qui passe l'écran sur Émile Chassaigne. La montrée Harris qui ressort pour Alex Vialaré. Va prendre un tir bientôt là. Ah, la balle qui est perdue par Alex. Qui s'est écrasé sur la défense de Diane Gendré. Siap Lokost, c'est dedans la contre-attaque menée par Siap Lokost et Greg Tondik. Greg Tondik qui distribue aussi les caviars depuis son entrée en jeu. Ah, la balle perdue par Willan. Et l'Escarzan tranquille qui marque de manière. Ah, c'est balle perdue. Ah, trop de balles perdues. C'est balle perdue bête au milieu de terrain. Ah, c'est rageant. 36-34 et temps mort pris par Mathieu Hubert. Attention, l'Escarzan, c'est un meneur qui est vif avec des mains rapides. De petite taille avec un centre de gravité assez bas. Et Willan qui s'est fait piéger. J'ai ça qui sont à 9 balles perdues. 9 balles perdues, c'est trop. C'est trop. Il faut pas que. Ça commence à monter, à grimper cette statistique là et c'est très embêtant parce qu'on sait que c'est un des paramètres justement à prendre en compte et un des meilleurs talons d'Achille on va dire des Bordelais depuis le début du championnat.
Et il faudrait commencer à réduire déjà ça parce qu'on avait bien commencé, mais là ça fait trop de ballons perdus sur les dernières possessions. Retour sur le parquet, donc Caddy hein, qui rentre à la place de Willan après sa balle perdue. Ce côté rack, on a Fortas, Elias Karzan, Gendré, Lukost et Tandik. Allez, Caddy. 9 secondes sur la possession. Grosse défense là, ça y est, grosse défense de la part du rack. Qui défend haut hein, surtout, qui a dit qu'il va prendre un tir à 3 points compliqué. C'est raté. Et le rebond récupéré par Greg Tondic. Karzan. Fortas. Ah, la faute de Emile Jazen sur Florian Fortas. Allez, Antoine Léonard, première entrée d'Antoine dans cette rencontre. Et il remplace Emile. Emile qui prend sa deuxième faute. Allez, deux lancers à venir pour Florian Fortas. Et Jessa qui était dans la pénalité. Fortas qui met le premier. Qui rate le deuxième, ah non, il a le retiré, le joueur qui était rentré trop vite dans la raquette. Donc un deuxième tir pour Florian Fortas. Et le deuxième qui est dedans et le rack qui recolle 36 partout. Ah c'est dommage, il y avait moyen là, il y avait 6 points d'avance à un moment donné. C'est dommage d'avoir dilapidé ce petit matelas. Et maintenant il faut tout recommencer avec Christophe Aboutou. Caddy. Ah la balle perdue. Les balles perdues. Les gars, les balles perdues, il faut pas les perdre. Il perd trop de ballons là. Des passes difficiles ça. C'est des passes difficiles. Il faut jouer plus simple les gars. Allez. Allez, faut pas laisser le rack prendre l'avantage. Allez, faut défendre maintenant. Allez Antoine. Lâche pas face. Tout sur Plokos à 3 points, ça part bien ça. On s'est raté et une faute sifflée à... Christophe Laroutou. Faute sifflée à Christophe Laroutou sur le rebond. Ça va être encore deux lancers francs pour permettre au rack de prendre l'avantage pour la première fois de la rencontre. Et Christophe qui sort. Remplacé par Enricas et le retour de Clément Desmond. Là, Clément Desmond qui avait fait un premier carton énorme et qui revient tard finalement. Par contre, il remplace Antoine Léonard qui vient juste d'entrer. Bon, mais c'était un passage express pour Antoine. Allez, deux lancers francs à venir pour Dylan Gendré. Premier dedans. Et voilà, et le rack qui prend l'avantage pour la première fois de la rencontre. 37-36. Premier joueur qui passe à avoir des 10 points pour le rack, Dylan Gendré. Et deuxième qui est dedans. Quelle belle première mi-temps pour Dylan Gendré. Impressionnant. Avec Clément Desmond. Et Caddy. Caddy pour la montre à Harris. Clément Desmond va s'appuyer sur l'écran d'Enricas. Clément Desmond qui surveille de près. Enricas tout seul dessous. Et une faute. Faute dessous sur Enricas Vorotnikovas. Faute de Diane Gendré. Petite faute, hein, mais à première vue, elle était bien présente quand même. Mais ça semblait moyennement d'accord. Hein. Kovas avec Caddy. Alex qui tente de sortir des écrans. Non, il est bien suivi par Florian Fortas. Et la balle est perdue.
Et là, voilà, récupéré par Kerzan. Oh là là, la vitesse de Kerzan! Qui termine au lay-up et 36-40. Et le Rack qui prend 4 points d'avance. Ah, la défense et la vivacité du Rack qui commencent à prendre le dessus. Clément Desmonts, le cinquième. Mais oui, Clément Desmonts! Bang, bang, bang! Ça fait 5 pour Clément Desmonts! Et oui, Clément Desmonts qui est peut-être revenu un peu tard. Allez, 39-40. Tondik. Oh, quel contre de la montre russe! Il a scotché Tondik! Tondik qui repart et Kessos y marque. Bien servi par Elias Karzan. Ah, les gars, il faut pas lâcher. Il y avait une bonne défense. On avait amené en fin de possession cette équipe du Rack. Allez, Clément Desmonts. La montre Harris à 3 points. La montre Harris. Ah, c'est raté, un peu court, rebond Tondik. Et contre-attaque menée par Elias Karzan. Qui accélère encore Karzan. Quelle mobilette! Attention, Fortas à 3 points. Fortas à 3 points, et c'est dedans. Et c'est dedans, 6 points d'avance pour le Rack. 39-45, 35 secondes à jouer. Ah, les GSA commencent à lâcher prise un peu là. Qui a dit? Oh, belle passe de Kadi pour Hendrikas! Énorme! 41-45! Magnifique, magnifique passe de Kadi Razala Meinina! Kerzan qui est passé encore! Aïe aïe aïe! Qui marque presque au buzzer! 41-47 et c'est la fin de la première mi-temps! Ah! Et le Rack qui a accéléré sur la fin de la période. 41 pour le GSA BMB, 47 pour le Rack. Une défense plus agressive, plus haute de la part des joueurs de Maxence Broyer. Et beaucoup de ballons perdus. Des paniers qui ont été on va dire un peu faciles, notamment pour Karzan. Et des lay-ups faciles aussi pour lui. Qui a fait parler sa vitesse. Et le Rack a fait parler sa défense, surtout sur cette deuxième partie. De deuxième carton et qui a pris le dessus, 6 points d'avance, rien n'est perdu, il n'y a que 6 points. Mais quel dommage d'avoir dilapidé cette avance qu'on avait en début de rencontre. Les GSA ont montré de très belles choses, notamment sur les tirs extérieurs. C'est beaucoup reposé aussi sur l'adresse de Clément Desmonts. Mais allez, 41-47, rien n'est perdu. Et on se retrouve pour le début de la deuxième mi-temps d'ici une dizaine de minutes.
Bonjour à tous. Je vais vous donner un peu de parole. Ici, j'ai mes trois participants. Romain, Sacha et Amélie. Donc, ils vont vous parler à Bébé. Ils vont devoir faire un peu d'abord. Un peu de ceux qui partent ici. Ils vont devoir aller tout là-bas chercher. Vers le slalom, ils vont chanter là. Chercher le plus large de partir pour finir tout là-bas. Le but c'est d'aller le plus rapidement possible. Donc celui qui a réussi le rapidement, il repartira avec un anneau. Je vous ai offert par Bedpark. Merci à eux de nous sponsoriser. Et merci beaucoup pour la démonstration. Maintenant je vais demander à avoir les participants qui vont nous rester. C'est un peu plus facile. Tiens, je vais juste parler. Non, c'est un peu pour l'applaudir, s'il vous plaît. Je vais aller choquer le de la main. J'ai fait cette photo. On Yeah.
Le retour au Palais des Sports pour la deuxième mi-temps qui va débuter entre le JSA BMB et le RAC. 41 pour le JSA BMB, 47 pour le RAC. 6 points de retard. Alors ce qui est dommage, c'est clairement d'avoir dilapidé ces 15 points d'avance que les Bordelais ont avaient en début de rencontre, hein, puisqu'ils menaient 17 à 2. Mais 6 points, c'est l'heure d'être rédhibitoire. Et nos Bordelais sont dans la partie, clairement, avec notamment une belle adresse à 3 points de Clément Desmonts. Et globalement, un 7 sur 13, donc ce qui fait 53,8% pour les JSA. D'ailleurs, on va faire un petit point statistique vite fait. Avec Henrika Zorotnikova, notamment à 10 points, 2 passes décisives, un rebond, 10 d'évaluation. Donc on a dit Clément Desmonts, hein, 14 minutes, 15 points, 3 rebonds, 5 sur 7 à 3 points. Il est bouillant, hein. Il est bouillant clairement à longue distance. Et puis après, nous avons un Kadi à 5 passes décisives et 5 points. Il a pris que 4 tirs première mi-temps, ce qui est rare, hein, c'est très peu de tirs pour Kadi. Et puis Alexia Larré qui n'est pas sorti, hein, tout simplement. Donc 5 passes, mais 5 balles perdues pour Alex avec 9 points quand même et 2 rebonds. Donc voilà, Alex qui a lancé la feuille de stats. Et côté du RAC, nous avons 10 points pour Florian Portas, et surtout les 11 points et de Dylan Gendré en hein, 10 minutes. Voilà, ça c'est un bel apport de Dylan Gendré, clairement. Et voilà, donc l'équipe du RAC qui n'a pas paniqué, hein, malgré le début de rencontre Tony Truant des JSA BMB, et qui se retrouve en tête au moment d'aborder cette deuxième période. Allez, retour des joueurs sur le terrain avec Steven Ricard, Maudou Nguiran. Maudou Nguiran qui a fait un super début de rencontre et qui après n'est pas revenu, tout simplement parce que Dylan Gendré avait été aussi, lui aussi omniprésent. En gros, une rotation à l'intérieur ultra efficace côté du RAC. Warren Racine est là. Aussi, Florian Fortas est là et Ismaël Kadio est là. Pareil, Ismaël Kadio qui a fait un gros début de rencontre, mais qui après n'est pas revenu sur le terrain. Et côté Bordelais, Henrikas, l'a montré Alex, Clément et Kadi. Et l'a montré. C'est avec Kadi. Kadi qui va tenter de servir Henrikas sous le panier. Henrikas qui est passé. Et qui rate rebond pour Maudou Nguiran. Ouais, Maudou Nguiran qui n'était pas revenu sur le terrain après ses 10 premières minutes de jeu, puisque Dylan Gendré avait parfaitement fait le travail en rotation. Et Warren Racine qui est passé, petit flotteur de Warren Racine, c'est bien joué ça. Et c'est les deux premiers points d'ailleurs pour Warren Racine. Warren qui avait shooté que deux fois en première mi-temps. Voilà, qui avait plus joué sur la distribution du jeu, la remontée de balle. Kadi. Allez, 41-49. Kadi qui sert Henrikas. Bien joué Henrikas. Quel mouvement. Bien joué ça. Ah, les JSA qui ouvrent leur compteur en deuxième mi-temps. 43-49. Florian Fortas. Faute d'Henrikas. Florian Fortas, ça va être un troisième. Coup dur. Coup dur pour les JSA BMB avec la troisième faute d'Henrikas Zorotnikovas. Et le mélange d'Ismaël Kadio. Warren Racine. Bon service de Warren Racine pour Nguiran qui rate. Le plus simple. Contre-attaque menée par Alexia Larré. Kadi. Elle serrée de près, Kadi. Il n'a pas trop d'espace pour pouvoir prendre ses tirs. C'est Clément Desmonts. Clément Desmonts qui lui aussi serré de près, forcément. Puis la première mi-temps qu'il a réalisé. La montre à Harris qui va tenter de jouer. Fade away de la montre à Harris. Ah, c'est un peu long. Et remonte de Maudou Nguiran. Warren. Oh, belle passe. Il est tout seul, Maudou Nguiran, sous le panier. Et temps mort pris par Mathieu Hubert. Ah, 8 points d'avance pour le RAC, 43-51. Excellent Maudou Nguiran, vraiment c'est les deux intérieurs, les deux postes 5, hein, faut le dire, qui font mal, qui font très très mal dans cette rencontre tout simplement. C'est première mi-temps et début de deuxième mi-temps ultra efficace sous le panier. Là, Nguiran qui reprend son chantier, hein, de la première mi-temps. Ouais,
joueurs sur le parquet, pas de changement côté, à côté du rack. Il a bien démarré ce troisième quart-temps. Pas de changement non plus côté bordelais. Enricas qui reste malgré ses trois fautes. Faute située à Steven Ricard. Steven Ricard qu'on n'a pas trop vu au scoring, hein, bah, pas du tout même pour l'instant. Aucun point pour Steven Ricard alors que c'est un joueur qui score énormément. C'est assez étonnant. Pour l'instant, match assez discret pour lui. Meilleur scoreur hein, du rack avec 16 points de moyenne depuis le début du championnat. Kadi à 3 points. Ah, c'est raté, rebond d'Enricas. Là ça referme, sur Enricas, finalement il arrive à jouer. Il ressort pour Clément Desmond. Ah Kerry. Non. Il n'était pas en position pour prendre le tir, mais là il va être obligé de le prendre. Non. Super service de Clément Desmond pour Enricas. N1 d'Enricas. Énorme Enricas. Allez, rebond. Lancé franc pour Enricas. Ah, raté de lancer franc pour Enricas et rebond de Steven Ricard. Warren Racine. Évidemment que c'est sur Enguerrand. Ça vient frapper sur Enguerrand. Ah, et la faute. La faute sur la prise à deux, quel dommage. Faute sifflée à. Et Alex Yalaré qui est venu aider là justement sur la prise à deux parce que Kadi avait un gros désavantage de taille. Warren Racine, Steven Ricard qui va prendre le tir à 3 points et qui débloque son compteur. Gros tir de Steven Ricard. Et ça pouvait pas rester comme ça. Pouvait pas rester à 0 points toute la soirée hein, Steven Ricard. Et là 45-54. Attention, le rack qui petit à petit se détache. Alex Yalaré. Kadi qui est passé. Faute sur Kadi, non, quand même. Ah, qui a failli marquer quand même. On a frôlé le N1 pour Kadi. Premier lancement réussi par Kadi, 46-54. Deuxième lancement réussi aussi par Kadi. Allez, il n'y a que 7 points, c'est pas énorme. Florian Fortas. Ismaël Kadio. Maudou Nguiran qui est passé. Oh, Nguiran qui marque pas, mais par contre. Mais par contre, c'est la quatrième fois d'Enricas Vorotnikovas. Et là, c'est le gros coup dur pour les GSA BMB autour de Christophe Larotourou sur le parquet. Et la quatrième fois d'Enricas qui est ultra efficace offensivement depuis le début de la rencontre. 14 points. Et là, on ne risque pas de voir Enricas avoir un petit moment sur le parquet. Et voilà, mais Maudou Nguiran qui a réussi son travail de sape. Et le but était vraiment de se faire sortir Enricas du match. On le voyait, c'est pour ça qu'ils ont beaucoup insisté sur lui. Et voilà, maintenant c'est fait. Ça va être à Christophe Larotourou de faire le boulot maintenant. Maudou Nguiran qui a raté le premier lancer franc. Et qui rate le deuxième, rebond pour Christophe Larotourou. Allez, une possession pourrait recoller encore un peu plus. Kadi qui est passé. Non. Ça défend bien du côté du rack, ça défend très bien même. Il n'y a pas beaucoup de position. La montre à Harris à 3 points, il faut le mettre celui-là. Bang, la montre à Harris. Énorme, 50-54. Allez,
Attention, Warren Racine, il protège à 3 mois, il est tout seul. Ouh, Warren Racine. Le coup de froid dans le palais des sports. Coup de clim de Warren Racine. Ah, le ballon perdu par Kadi. Et ça se bat sur le terrain. Voilà, Christophe Kolarotourou. La balle est ressortie. Les Yassa qui se battent, qui se jettent sur le ballon. C'est très bien, c'est ce qu'on veut voir tout le temps, des guerriers. Allez, Alex. Qui hésite à prendre le tir à 3 points, la montre à Harris. C'est raté. Il récupère quand même son rebond. Il y repart, la montre à Harris. Et voilà qui provoque la faute de Warren Racine. C'est ça, les gars, il faut se battre comme ça. C'est ce qu'on veut voir. Ah, c'est bien, on a bu... les joueurs se battent, se jeter sur les ballons, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut voir. Qu'on veut voir, il faut des guerriers, il faut aller chercher cette victoire là. C'est possible, hein, 7 points, c'est pas énorme. Kadi, qui va s'appuyer sur... Non, finalement, l'écran, c'était à l'heure, l'écran de Christophe Larouton aussi, finalement il y vient. Kadi à 3 points. Et bang, 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 bang. Kadi qui ramène l'équipe à 4 points, énorme. Allez, Warren Racine, la balle perdue par Warren Racine. Allez, encore une possession pour revenir encore plus près. C'est ça les gars, c'est ça. Il y a une vraie attitude là sur le terrain. Allez, Alex, qui est passé? Qui a perdu le ballon? Non, finalement non, la montre à Harris. Qui est passé? Et qui marque, la montre à Harris. C'est ça la montrée. 55-57, ça y est, ça recolle. Plus que 2 points d'écart. Alors je sais pas comment il a marqué ce panier, il a montré Harris. Mais le principal c'est qu'il est dedans. Nguiran. Oh, Nguiran qui enrume, Christophe Larotourou. Ligne de fond et qui marque. 55-59. Allez, le match qui s'agite un peu là. Allez. Ça s'anime sur le parquet. Alexia Yalare. La montrée Harris. Qui joue face à Cadio. Qui ressort pour Clément Desmond. Le sixième pour Clément Desmond. Ah, c'est dommage, ça faisait longtemps qu'il n'ait pas pris de tir, Clément Desmond. Ça le démangeait. Warren Racine. Ricard qui prend de suite à 3 points. Ou que je tire. Ou que je tire de Steven Ricard. Ouh là là là, celui-là il fait très très mal. 7 points d'écart maintenant. Oh, le tir sans hésitation de Steven Ricard qui descend pas le ballon. Un catch and shoot énorme. Allez, Christophe Larotourou. Qui a dit? Qui transfère pour la montrer à Harris. Ah, qui aurait pu prendre. Si, finalement, il le prend à 3 points. Oh, la montrer à Harris! Bang, bang, bang! La montrer à Harris! Quel niveau de jeu! Voilà, la montrer. On sait qu'il peut scorer. Ça se voit, ça se sent. On disait la dernière fois, il y a beaucoup de basket, hein, la montrer à Harris. Nguiran. Oh là 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 là! Mais quel festival à l'intérieur de Maudou Nguiran! Qui impose sur 2m10. Faut jouer, il faut être plus dur là sur Maudou Nguiran. Sinon il va marquer 20 points. Et 58-64. Alexia Larré. Il prend tir à 3, Alexia Larré. Ah, c'est un peu long. Rebond d'Ismaël Cadio. Qui part en contre-attaque, il part tout seul. Faute de la montrer à Harris. Ouf, on a frôlé le 1-1. Elle aurait dû la taille côté du rack avec la sortie de Fortas et l'entrée de Karzan. Et la sortie côté du SA de la montre Harris et l'entrée de Clément Pingou. Alors qu'Ismaël Cadio devrait sortir après lancer franc. Parce que Greg Tondik attend sur le côté. Lancer franc raté par Cadio. Deuxième raté aussi. Ah, il y a pas un pied là. Non, bon, bah alors voilà, Nguiran à mi-distance, qui rate. Cadio, la claquette, c'est raté encore. Qui remonte et qui marque. Il se met le Cadio, qui se bat dans la raquette. Il retourne 8 points d'avance au rack, 58-66. Ah, il faut protéger ce rebond, les JSA. Oh, la balle perdue. Oh là.
passe. Mais c'est rien les gars, allez, allez. Faut pas lâcher là maintenant. Et 8 points c'est rien, ça peut être... voilà, il faut pas lâcher et continuer à jouer ensemble collectivement. Allez voir Warren Racine qui est passé. Non, il va falloir une bien grosse défense avec Zalaré. Mais attention, Odon Guérane. Ah voilà, grosse défense des JSA qui ont provoqué les 24 secondes côté RAC. Caddy. Allez, là, c'est le moment de recoller. Là, c'est le moment. 2 minutes 30 encore à jouer. Caddy qui est passé. Qui ressort pour Clément Pingot. Qui refuse le tir. Et voilà, le problème c'est que dommage. En refusant le tir après derrière, ils vont perdre le ballon. Steven Ricard, Karzan. Blocost. Sia Blocost. Petit tir à mi-distance. Oh que c'est propre. Oh que c'est propre de la part de Sia Blocost. Le petit tir, le mid-range de Sia Blocost. Magnifique. Avec une vraie impulsion. Encore Willan et Emile vont rentrer sur le terrain. Il y a Clément Pingot pour Clément Démon. S'appuyer sur l'écran de Larutu, Christophe Larutu. Belle passe pour Clément Pingot qui va prendre le tir. Non, Clément Pingot qui refuse de tir à 3 points. Pas de confiance sur son tir extérieur. Et nouvelle balle perdue sur les 24 secondes. C'est dur. Ça devient dur pour les Bordelais là. Ça devient dur. Dur de trouver des solutions en attaque. Dur physiquement en défense. 10 points d'écart maintenant. Pas lâcher là, il faut pas lâcher avant la dernière période. C'est 1 minute 47, il faut pas laisser le RAC se détacher plus que ça. Alors qu'il y a eu plusieurs changements, hein. Clément Démon qui est sorti, Clément Pingot qui est sorti, Kadi qui est sorti. Et l'entrée de la montrée Harris, et l'entrée de Emile Chassaigne et de William Erabetian. Tandis que le fadeaway, c'est propre, rien à dire. 12 points d'écart, 58-70. Et le RAC qui se détache petit à petit. Allez, avec Emile Chassaigne. Allez, Emile. Avec Exialaré. Exialaré qui est passé. Oh, il est passé. Exialaré énorme. Ah, la finition d'Exialaré. Et la faute en plus sur le rebond de Christophe Larutu. Une 18 à jouer. Ok, alors deux lancers francs en plus. Deux lancers francs, parce que les GSA sont dans la pénalité. Deux lancers francs à venir pour Sia Blocost. Allez, deux lancers à venir pour permettre. Aurac de se détacher encore davantage. Et non, c'est vraiment encore réussi par Sia Blocost, 14 points d'écart, 58-72. La montrée Harris. Emile Chassaigne. Ça fait un retour avec Zalaré. Il n'y a plus de solution là, le RAC qui défend très dur. Et voilà, 5 secondes sur la possession. Ça devient dur de trouver des solutions offensives. Ah, les JSA qui sont un peu à l'arrêt là offensivement. Et oui, là la mi-distance, c'est complètement raté. Rebond de Greg Tondik. Steven Ricard qui est parti en contre-attaque. Ouh là là, ça va claquer le duck. Ça va claquer le duck de Dylan Gendré. Ça se sentait venir, attention, équipe très athlétique côté Rueil. On l'avait dit, il y a pas mal de jumpers comme on dit. Il a montré Harris. Petit tir à mi-distance d'Harris. Qui met dedans!
Oh, il est chaud, Harris, hein. Il est chaud, Harris. Harris qui réalise sa meilleure prestation offensivement, hein, côté depuis qu'il est arrivé au JSA. Dépasse la barre des 10 points. Allez, la balle. Ah, qui est conservé par le rack. À 17 secondes, fin de ce troisième quart-temps. Allez, remise en jeu pour Steven Ricard. Oh, Greg Tondik. Karzan. Ricard. Steven Ricard. Attention, tir à 3 points de Ricard. C'est raté. Et rebond Clément Desmond. 4 secondes, 3 secondes, 2, 1. Émile Chassaigne à 3 points. Et Fat. La Fat avec 3 lancers à venir pour Émile Chassaigne. Et Vincent, il est bienvenu, ces 3 lancers pour Émile Chassaigne. Avec la faute d'Elias Karzan sur la main de Émile au moment du shoot. Ah non. Si, 3 lancers. 3 lancers à venir. Ah, l'occasion de revenir à 11 points. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça change la donne, hein, ces 3 lancers à venir pour Émile. Premier temps. Deuxième raté. Et troisième. Et dedans. Voilà. Allez, 12 points. C'est déjà mieux que rien. 2 sur 3. Dernier tir qui est raté. Et allez, 62-74, c'est pas perdu. C'est pas perdu, mais on va faire une grosse remontada. On va dire comme d'habitude, hein, parce qu'on a souvent un peu de retard sur au début du troisième quart-temps. Mais c'est pas jouable, mais il faut perdre moins de ballons et plus dur à l'intérieur. Mais c'est vrai qu'effectivement, Ruey impose sa puissance à l'intérieur. Et retour des joueurs sur le parquet. Willan Erabetian, on l'a montré à Harris, Clément Desmond, Émile Chassaigne, Christophe Arautourou sur le parquet, qui reçoit des conseils d'Enricas pour défendre plus dur à l'intérieur, notamment sur Dylan Gendré. Dylan Gendré donc sur le parquet, hein, avec Greg Tondik, Elias Karzan, Sia Plocost et Steven Ricard. Allez, c'est parti, allez. 10 minutes à tout donner et pour espérer l'exploit. Greg Tondik. Steven Ricard. Elias Karzan, marché d'Elias Karzan sur son départ en dribble. Elias Karzan ne comprend pas très bien. Allez, oui, là, il faut protéger ce ballon, pas se laisser avoir par Elias Karzan qui est malin, qui a les mains qui traînent partout. D'ailleurs, on le voit, il défend dur, hein, sur Willan. La montrée Harris, allez, prends-moi ce tir, la montrée. C'est. Ah, c'est raté, Christophe Larouturou le rebond. Clément Desmond, le 6ème à 3 points. Ah,
rebond de Karzan qui part en contre-attaque. Oh là là, la mobilette qui est Karzan, low cost. Avec Jandré, Karzan. Il va prendre le tir à 3 points, Karzan. Et le raté. Le rebond pour Tondik. Et balle récupérée. Voilà l'agressivité de la montrée Harris. Qui relance sur Willan. La passe de Willan. Ah, Christophe Laroutourou. Il fallait être prêt sur cette passe de Willan. Qui sort et remplacé par, par Kadi. Avec Gadi, avec la montre Harris, c'est à Willan qui était énervé de sortir. Gadi. Duel entre Steven Ricard et Clément Démon. Gadi qui est passé, le tir à 3 points d'Emile. Faut le mettre ça, avec Christophe Laroutourou au rebond. Ah, la possession, les 24 secondes, les gars, il faut regarder le chrono. Quel dommage. Quel dommage. Et s'il y a Blue Cost, et là Skarzan. Steven Ricard à 3 points, c'est raté. Ah, le rebond, ouais, récupéré, pas. Non, Karzan finalement qui récupère le ballon dans les mains d'Emile Chassaigne. Tondik à mi-distance, c'est raté. Et rebond pour les GSA. Allez, Kadi. Allez, 8 minutes, 8 minutes pour tout donner. Il n'y a que 12 points d'écart. Les gars, il faut y aller là. Il faut un esprit de révolte maintenant. Allez. Kadi. Il faut trouver des solutions en attaque. On n'y arrive pas là. Il y aura qui défend très bien, qui pousse jusqu'au bout de la possession. Henrikas qui est passé. Oh le move d'Henrikas, magnifique. Henrikas, irréprochable. Irréprochable offensivement. 16 points pour lui. Et Eskarzan, Steven Ricard. C'est le ballon qui tourne, tranquille. Là, c'est le chrono qui joue en faveur des joueurs du RAC. Steven Ricard, Tondik. La passe de Tondik pour Jandré. Dans la fin de possession, Jandré. C'est raté, rebond d'Henrikas. Allez, c'est maintenant là. Il y a 10 points, il faut redescendre en sous-tête par des 10 points. Kadi, ah, la faute sur le drive de Kadi de la part de Steven Ricard. Emile Chazen qui sort et retour du capitaine Alex Yalaré. Il a montré Harris. Kadi. Belle ambiance quand même au Palais des Sports ce soir encore, ça fait plaisir. Henrikas qui est passé. Et faute sur Henrikas. Allez, Henrikas qui va avoir deux lancers francs. Henrikas qui lâche rien, qui donne tout. En plus, le seul problème pour Henrikas, c'est ses 4 fautes, quoi. Ça l'a obligé de défendre différemment. Mais quel apport en attaque, quel apport. Allez, Henrikas, il faut mettre ses deux lancers, on en a besoin. C'est dedans. Allez, ça recolle un peu, 8 points. Sortie de Steven Ricard, entrée de Warren Racine. Et l'équipe du RAC sereine hein, pour l'instant, mais 8 points, c'est pas énorme. Et on va commencer à défendre un peu plus dur, un peu plus tout terrain peut-être aussi.
Il faut pas laisser cette équipe jouer, déployer son jeu. Voilà, là il faut y être là, Elias Karzan. Il ramène Racine. Karzan qui est passé. Oh, le contre! Le contre de la Montrarie, c'est le rebond! Clément Desmond! Contre-attaque de Clément Desmond! La montré Harris! Enricas encore! Abreuvé de ballon, sorti pour Clément Desmond! Il est loin, Clément Desmond là! Il est loin, il sert quand même la montré Harris! 10 secondes sur la possession! Et faute! Voilà, allez! Ligia, c'est agressif! Agressif au panier, deux lancers à venir pour la montré Harris! Il est sorti Dylan Gendry qui vient de faire la faute sur la montre Harris et rentrée de Maodo Nguerane. Et la montrée, premier lancé, c'est réussi. Allez, ça revient là. Plus d'agressivité. Les lancers francs, c'est des points gratuits, on va dire. Et voilà, et c'est l'équipe qui revient. Il ne va peut-être y avoir que 6 points. Allez, on va essayer de s'avancer un peu. La montrée, voilà, ah il rate le deuxième. Le rebond, ah, le rebond s'est raté, 7 points d'écart. Ah, la malédiction du commentateur, je vous jure. Allez, Warren Racine. Allez, bon espace. Et la balle est perdue, et la balle est récupérée maintenant par le GSA BMB. 7 points d'écart, allez, l'occasion de recoller encore. Oh, on peut avoir une fin de match folle là maintenant. Si le GSA commence à prendre feu à nouveau, sortie de Greg Tondik, rentrée d'Ismaël Cadio. Allez, Kedi. Kedi qui a pas pris trop de tirs ce soir. Clément Desmond qui essaie de sortir mais qui n'a pas beaucoup d'espace. Kedi non plus. Ça sort sur Kedi pour éviter les tirs. Belle passe de Kedi pour Enricas dessous. Enricas, c'est raté. Ah, il rebond aussi à Plocost. Warren Racine, il est tout seul. Ouh, c'était juste. Karzan. Passe de Karzan pour Plocost et le pied sur la ligne de Sia Plocost et JSA qui a encore une possession pour recoller. Allez, Kadi. Clément Desmond. Allez, Clément. Petite banderie à 3 points ferait du bien là. Et Kadi qui tente de mettre en passe. Il est passé Kadi. Là par contre il a l'espace pour le tir à 3. Et il met Kadi, bang bang bang. Plus 4 points d'écart, 70-74. Et la montre Harris qui est déchaînée aussi. Quatre points, 70-74, c'est pas fini. Allez, faut défendre les gars maintenant. 5 minutes à bloc là, faut rien lâcher. Et c'est Karzan, Plocost, Cadio, ici à Plocost, Nguerane, peut défendre sur Nguerane. Ah, il y a la faute. Non, le marché. Et la balle est récupérée par le JSA. Allez, la montre à risque et encourage le public à pousser l'équipe là maintenant. On lâche rien, 4,55 à jouer, 70-74. Allez, retour de Fortas, retour de Ricard. Sortie de Karzan, sortie de Plocost. Et remise en jeu Clément Desmond, Alexis à l'arrêt. Allez, encore une possession pour recoller encore plus. Allez, pour revenir à une possession, les gars. Desmond. Qui a dit plus que 8 secondes sur la possession, il va retrouver un tir. Kadi, gros tir de Kadi, difficile. Ah, c'est raté. Et le rebond pour Harris qui se bat comme un malade. C'est parfait ça, Kadi. La montrée, pardon. Oh là là, c'était. Oh, désolé là. La montrée Harris, il est énorme, la montrée Harris, tout simplement. Il est énorme, il se bat comme un malade. Il marque 13 points, c'est sa meilleure performance offensive. Il est présent, c'est pas comme un chien là, montre Harris, c'est ça qu'on veut voir.
C'est lui là, c'est lui qui dégage une énergie positive. Allez, elle a montré Harris. Kadi. Kadi Razana Mainina. Clément Desmond. Qui est passé. Et la balle est conservée par les GSA, mais que 4 secondes sur la possession. Clément Desmond qui a plus trop de position sur les tirs à 3 points, c'est dommage. C'est dommage, mais évidemment, il est serré de près par Ruey, hein, le rack qui a peur des tirs à 3 points de Clément Desmond. Alexis Allaré, il va le prendre. Il va le prendre. C'est raté. Et non, c'est une faute offensive sur le tir à 3 points d'Alex Gallaré. Aïe, 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 la décision dure. Ah, c'est dur. Une faute qui s'y fait probablement avec le pied en avant d'Alex Gallaré, qui a fait tomber son adversaire. Et plutôt que d'avoir 3 lancers francs, c'est une faute offensive et une possession récupérée par le rack. Ah, quel dommage. On avait l'occasion de revenir à une possession. Warren Racine. Fortas. Snell Cadio. Warren Racine. Cadio à 3 points. Attention, ça peut faire mal. Ah, ça fait très mal même. Quel tir des Snell Cadio. Aïe aïe aïe, 7 points. 7 points d'écart maintenant. Ce tir à 3 points à 500. Et Harris à 3 points. C'est raté. Et rebond de Cadio. Aïe 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 aïe. Ah, pourvu qu'on n'ait pas laissé passer notre chance là. Et Warren Racine, le chrono qui tourne en faveur des joueurs du rack. Portas, Ricard, Cadio à 3 points, pas le deuxième. Non, c'est raté. Le rebond récupéré. Ah, le rebond récupéré par les joueurs du rack. Nguerran dessous, il va marquer. Il va marquer tout seul. Voilà. Et il chambre en plus, tant qu'à faire. Allez hop, 70-79. On repart sur 9 points d'écart. Et là ça va devenir compliqué maintenant. Les 9 points d'écart à 3 minutes de la fin. Rien n'est fini, mais le 5-0 qui fait très très mal. Allez, retour du joueur sur le parquet, Clément Desmond. Enricas, Kadi, Alex, et la montrée. Warren, Steven Ricard, Fabien Portas, Maudouen Guérin et Ismaël Cadio. Ça n'a pas bougé aussi côté du rack, qui a refait un écart grâce à ce 5 là. Allez, Clément Desmond, Alex Gallaré. Là, il faut marquer, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, Alex. Ah, Alex qui rate son tir à 3 points. Et la possession conservée par les GSA BMB. Remise Clément Desmond, ligne de fond. Clément Desmond avec Enricas. Kadi. Clément Desmond qui sort de l'écran mais qui n'a pas la position de tir.
Il se la crée quand même à mi-distance. Oula, ça tire sur le bras peut-être. Non, c'est raté en tout cas à mi-distance. 2-33 à jouer, 9 points d'écart. Ouais, Rey qui va pouvoir gérer maintenant le chrono. Steven Ricard, Warren. Warren Racine à 3 points pour tuer le match. Ou c'est raté. C'est raté, Robo Henricas. Allez Alex, c'était ta dernière chance là. Clément Démon qui va chercher une position à 3 points, mais non, non, il n'y a pas de place. Rey qui défend très bien, très très bien. Kadi. Oh là là, la balle est perdue et interception de Simel Kadio qui va y aller et qui va provoquer la faute de Kadi et de lancer franc pour Ismaël Kadio. Ah c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Et de lancer franc pour Ismaël Kadio pour tuer la rencontre, hein, il faut le dire. Et mettre fin au suspense. Le premier est raté. Deuxième. Et dedans, 10 points d'écart, 70-80, une cinquantaine à jouer. Il va falloir aligner 3 points les JSA, les 3 points et les stops. Maintenant ça va espérer recoller. Grosse défense hein, de Fortas sur Alex Vialaré. Alex qui est passé et qui rate. C'est la finition. Ismaël Kadio en contre-attaque pour Ron Guiran, et tranquille. Le petit Eurostep d'Henrik Guiran qui s'amuse. Qui s'amuse et qui en plus... s'amuse vraiment, voilà, même sur le parquet. Voilà, à croire qu'il ne s'y attendait pas à faire un Eurostep aussi. 70-82, et là, je crois que la messe est dite malheureusement. Fin de match compliqué pour les JSA BMB. À jouer, 70-82. Fin de match difficile, on n'est jamais très loin, mais il manque toujours ce petit quelque chose. Il manque toujours ce petit quelque chose et c'est difficile, c'est difficile. Les matchs enchaînent, les défaites enchaînent, on est sur une spirale négative, il ne faut pas lâcher, rien n'est perdu. Voilà, il y a d'autres matchs qui vont arriver vite. Il y a des bons passages, malheureusement, on n'arrive pas à rester sur. À être régulier, on va dire, sur une rencontre. C'est, voilà, après, c'est des gros morceaux. Rey, c'est un gros morceau aussi, voilà. Donc. On joue à La Rochelle samedi, il faut falloir espérer un petit miracle aussi à La Rochelle. Et puis. Et puis voilà, faire le dos rond et espérer des jours meilleurs. Et après on se déplacera à Vitré le 9 novembre avant de revenir au Palais des Sports le 12 contre Poitiers. On a deux déplacements difficiles à La Rochelle et à Vitré. Kadi, il n'y a pas de position à 3 points. Rueil qui défend super bien et la faute de Warren Racine sur Kadi, mais il faut aller chercher et lancer franc. Rueil qui a super bien défendu à part le début de rencontre, ils ont été pris... Vous avez été pris à froid. Depuis, ils n'ont rien lâché en défense. Et Kadi, le premier dedans. 71-82. Et dixième est dedans. Allez.
Allez, j'ai ça. Allez, allez, faut défendre, on sait jamais. Un miracle, là, ça peut arriver, peut-être. Warren. Florent Fortas, voilà, maintenant. On va faire tourner le chrono. Tranquillement. Ismaël Kadio. Ah, la balle est perdue. Allez, allez, contre-attaque menée par Alexis Allaré. Un petit tir à 3 points, là. Allez, déjà, au moins, pour réduire le score, déjà. Ça peut être bien. Clément Desmond qui a voulu prendre le tir à 3, mais il est bien serré par Steven Ricard. Ouais, Clément Desmond qui perd le ballon. Oh, une faute anti-sportive s'il fait à Clément Desmond. C'est sévère. Ah, je suis désolé, mais c'est sévère. À 47 secondes de la fin du match, Clément Desmond, une faute anti-sportive là-dessus. Non, 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 à un moment donné, ok, on dit toujours que l'arbitre a toujours raison, mais pas sur ce coup-là. C'est vraiment sévère. Ça va offrir deux lancers, hein. Et la possession au rack. J'avais vraiment besoin de ça. Alors que le jeune Matisse est rentré côté rack pour la première fois de la rencontre. Ismaël Kadio, premier lancer réussi. 72-83. Et deuxième qui est raté. Allez, 47 secondes, possession pour le rack, 72-83. Warren Racine, Florian Fortas. Warren Racine, 9 secondes à la possession. Alex Zellari qui tente de défendre. Bien même d'ailleurs, hein, Ismaël Kadio. Mathis Selin qui rate. Et oh, la claquette! La claquette d'Ismaël Kadio! Ah, il faut le spectacle, hein, le rack! Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut le spectacle! Un entre deux. Ah, ils sont déchaînés, les gars! Déchaînés, les joueurs du Rueil! Impressionnant avec la défense de Fortas sur Kadi. L'équipe du rack, il lâche rien. Défensivement, c'est impressionnant ce qu'ils ont offert après le coup de chaud des JS1 dans le premier quart-temps. Depuis, ils ont rien lâché. Hein. Rien lâché du tout. Alex Zellari à 3 points, c'est raté. Rebond Maoudou Nguiran, auteur d'un match monstrueux, il faut le dire. Monstrueux Maoudou Nguiran. Dernière possession. Ah, mais un retour en zone, non, là. Bon. Ça se termine un peu dans la... Ouais, un peu dans le... Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre cette fin de match. Voilà, et tant que ça se termine maintenant, on a Fortas qui va prendre le tir en plus à la fin. C'est raté. Et victoire du RAC 85-72. Après un gros début de rencontre de JSA. Et voilà, malheureusement, sur la durée, c'est plus compliqué de tenir face à des gros morceaux de la poule comme ça. Donc voilà, il y a eu des choses encourageantes. Ce soir, on va dire que il y a souvent des choses encourageantes. Maintenant, malheureusement, sur le plan comptable, ben, ça... On n'avance pas malheureusement. Maintenant, voilà, il va falloir espérer aller chercher une victoire à La Rochelle samedi. On a envie que cette équipe arrive à rebondir tout simplement, trouver son rythme. Il y a des bonnes choses, mais malheureusement, on ne tient pas sur la durée d'une rencontre, probablement par manque de rotation. C'est vraiment, vraiment rageant qu'il y avait moyen d'aller chercher quelque chose ce soir. Maintenant, on va faire le dos rond. Voilà, rien lâcher, se soutenir. Et garder l'esprit collectif. Et puis espérer des jours meilleurs, comme on le dit depuis tout à l'heure. C'est tout ce qu'on peut espérer maintenant. 85-72. Voilà, félicitations à l'équipe de Rueil. Hein, voilà, Rueil qui lâche rien en défense. Rueil qui a une énorme équipe. Rueil qui occupe le haut du classement. C'est mérité pour cette équipe qui a 10 joueurs capables de jouer, enfin au moins 9 en tout cas. 9 joueurs interchangeables et une grosse présence à l'intérieur et des bons joueurs à l'extérieur. C'est une bien belle équipe, cette équipe du RAC. Et il fallait s'attendre à une rencontre difficile. Les JSA n'ont pas démérité, mais malheureusement. La marche était encore un peu trop haute ce soir.
Alors, on va faire un petit point statistique rapidement avant de vous laisser. Donc la montrée Harris, hein, probablement son meilleur match côté depuis qu'il est arrivé. 13 points, 6 rebonds, 35 minutes de jeu. Belle prestation de la montrée Harris, vraiment. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie. C'est lui qui a insufflé un peu la révolte. C'est 15 d'évaluation. Qui a dit qu'il n'a pris que 8 tirs dans ce match. 15 points, 8 passes décisives, 16 d'évaluation. C'est un bon match de qui a dit aussi. Henrikas, 20 d'évaluation avec 18 points, 8 sur 11, 5 rebonds, 3 passes décisives. Alex, 6 points, 8 passes décisives. Malheureusement, 6 balles perdues pour lui et 9 points. Clément Démon, 15 points. Malheureusement, il a été serré de près après son coup de chaud. 15 points, 5 sur 9 à 3 points notamment, 5 rebonds, 14 d'évaluation. Et après, effectivement, il n'y a que 2 points, hein. Les 2 points d'Emile seulement. Comme voilà, la porte du banc qui fait mal, hein. 2 points seulement, c'est pas suffisant. Et ça coûte cher, ça coûte clairement cher. Et puis les balles perdues, 19 encore. 19 balles perdues, c'est trop pour les JSA BMB. Même s'il y en a 16 côté Rueil, les 19 balles perdues coûtent cher. Les rebonds peuvent coûter cher aussi. Les rebonds offensifs, certains rebonds offensifs qui ont été un peu laissés en route aussi. C'est difficile, voilà. On a souvent les mêmes choses qui reviennent un petit peu à chaque rencontre. Alors côté Rueil, on a 5 points seulement pour Warren Racine. Par contre, Warren qui n'a pas beaucoup shooté ce soir, 5 fois, 9 passes décisives, 5 rebonds, 13 d'évaluation, 19 d'évaluation pour Ismaël Kadio, 15 points, 7 rebonds, Florian Fortas, 10 points, 3 passes décisives, 13 déballes, Maudo Nguiran, gros match, 18 points, 9 sur 13, 5 rebonds, une passe décisive, 14 évaluations, grosse présence de Maudo Nguiran, vraiment. 9 points pour Steven Ricard qui a été discret ce soir, il faut le dire, avec seulement 2 petits tirs à 3 points. 6 points pardon d'ailleurs pour Steven Ricard. Siablo Coste, 8 points, 4 points pour Greg Tondik, 6 points pour Elias Karzan, 13 points pour Dylan Gendré, ce qui nous fait 31 points du banc, du rack. Et inutile de dire que la différence se fait là. Voilà, la différence se fait ici, avec l'apport du banc. C'est flagrant, la rotation Nguiran Gendré qui a fait très très mal. Et voilà, et au final 85 pour le RAC, 72 pour les GSA BMB. Voilà, une nouvelle défaite. On va se serrer les coudes. Et puis voilà, espérer une victoire à La Rochelle. Après derrière on se déplace à Vitré. Avant nous qu'on se retrouve pas vendredi là, mais vendredi d'après contre Poitiers, les matchs s'enchaînent. Voilà, donc on vous remercie, on remercie les supporters du RAC qui étaient présents. Félicitations pour cette victoire, elle est méritée, vous avez une superbe équipe. On l'a vu depuis le début du championnat, on a pu s'en rendre compte sur place ce soir. Une équipe du RAC qui va probablement jouer le haut du classement et la poule haute. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. Merci à tous pour votre présence sur le live. Et on se retrouve, pas vendredi là, mais vendredi d'après, pour la rencontre face à Poitiers. Bonne soirée, merci encore.